り方とかの書いたものとかがあるわけじゃないんですね。全ては彼の頭の中に入っているだけなんです。兄の森吉が世界で唯一の職人です。それで私が4歳の時なんですけれども、それが1963年なんですけれども、その時に父が会社から派遣されてドイツにこの技術を導入するためにだということです。起業してすぐに大きくなり、そしてこう廃れていくのも意外に早かったんだなと思いました。どんどん板従業員 がいなくなり、最後には兄と姉の2人だけになってしまったんですけれども、人によってやっぱり意見は違いますので、それを聞いて、あ、いらないのかなと思ったり、あ、やっぱり残していかなければいけないなっていうふうなことの波の中で過ごした40年だったと思います。主人が自分が辞めたらなくなるってことがもうその時分かっていたから、cet album, on ne sait pas comment il est arrivé chez nous. Ce sont quand même des tissus qui ont été édités dans les années 30, 40, 60. Et on a des qualités de couleur, de finesse, de détails qui sont complètement incroyables. C'est des choses qu'on ne sait pas faire avec aucune technique. Aujourd'hui, c'est plus possible. Arrivé ici à Kyoto, et tout d'un coup c'est un retour 60 ans en arrière avec une technique qu'on croyait oubliée, et on a quand même mis plus de 10 ans à les trouver, ces gens. Waouh. OK. Je pense que Miyoshi, lui, il a tout ça dans la tête et il sait pertinemment que quand il fait ce geste, ça va donner tel résultat. Alors que nous, on est autour de lui, on regarde, mais on sait pas. Je pense qu'il y a son expertise qui est juste un savoir-faire incroyable. Pour nous, c'est de la magie. C'est, voilà, y a pas d'autre mot, je sais pas. どれもやってて、何ですか、そのやっぱりそのデザイン持ってきてくださった柄 に近いものができた時には、どのテクニックを使っていようがやっぱり一番嬉しいですよね。はい。Ça fait presque 2 ans et demi qu'on a mis les pieds ici et on est en pleine production actuellement.
pour le premier projet. Conserver ce type de savoir-faire dans le patrimoine mondial, c'est une valeur tellement inestimable qu'il était hors de question de contrefaire la technique par une autre technique actuelle qui serait le jet d'encre, parce qu'on n'aurait pas du tout le même rendu. Donc c'est sûr que le carré tel qu'il est là n'existerait pas aujourd'hui. Ouais. その、まあ、祖父が持って帰ってきてから、まあ、昔はもっとこう初歩的なものだったりこう荒い技術だったものが代を重ねごとに洗練されてきて、それを、まあ、自分の代でもっともっと新しいことにチャレンジして、なんか殻を破れるようなところまで行けたらなと。